petit update. On va se réchauffer un tout petit peu au Imar parce que là ça va pas du tout la température. Il fait il doit faire moins 13 là à l'heure à laquelle je filme. Il fait vraiment super froid là. Bon allez, petite pause. Annyeonghaseyo, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Pelan de Soya et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très content car ça y est, c'est le printemps et ça fait plaisir puisque moi je suis arrivé en Corée au tout début de l'hiver donc j'ai surtout connu la neige, le froid et les arbres eh bien, sans feuilles. Et là déjà vous pouvez voir, il fait super beau, c'est tout vert, en tout cas pratiquement. Et du coup, eh ben aujourd'hui, on va se balader. On va se balader à Seoul Forest. Donc, c'est un endroit qui est assez connu de la ville. Et c'est, j'ai envie de dire, tout simplement un grand parc dans la ville. On est à peu près au centre, un petit peu à l'est. Plutôt moitié nord de Séoul. Et c'est un endroit très sympa. Et je m'y suis rendu quelques fois. Je me suis rendu un petit peu cet hiver. Et je m'étais déjà rendu quand j'avais passé quelques vacances à Séoul en 2019. Donc aujourd'hui c'est le programme, c'est balade à Seoul Forest. Je vous emmène avec moi et j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti pour une petite balade à Séoul un vendredi après-midi. Désolé parce que en fait normalement il y a pas mal de cerisiers ici mais depuis quelques jours les cerisiers eh bien ont perdu leurs fleurs. On a eu deux week-ends de suite à Séoul où il a plu et eh ben j'ai pas vraiment pu filmer dans des conditions optimales les cerisiers. En tout cas ça va pas nous empêcher de profiter aujourd'hui de ce petit parc que je trouve très sympathique. Alors je sais pas vous, mais là déjà pour moi c'est trop beau, c'est super beau. Ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces tulipes. Je trouve vraiment la tulipe, c'est une fleur assez simple, mais tellement belle au niveau de ses couleurs et même dans sa forme. Et c'est vraiment un plaisir à voir pour l'instant. En fait j'aime beaucoup cet endroit, ce quartier un peu, puisqu'on n'est pas loin aussi du quartier de Toksom. Et en fait c'est un quartier, un ancien quartier industriel, où en fait on fabriquait beaucoup de chaussures. Et il y avait pas mal de petites usines et toutes ces usines en fait maintenant ont été transformées en bars assez branchés. Ça fait que on a
un quartier avec plein de cafés, de boutiques assez sympas et un parc très joli. Du coup, pour passer une après-midi, je vous recommande vivement de faire un tour au parc à Seoul Forest. Et puis après, si vous voulez boire quelque chose, vous pouvez tout simplement aller dans le quartier de Toksom qui est vraiment à côté et profiter d'un bon café glacé ou alors d'une boisson sucrée. C'est vraiment le top. Allez, on va continuer sans plus tarder la balade parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Le parc n'est pas immense, mais il est quand même grand. Et aujourd'hui, j'ai prévu de marcher pas mal pour pouvoir vous montrer un maximum de choses. Allez, c'est parti pour la suite de Seoul Forest. Alors du coup, j'ai choisi Seoul Forest parce que je me suis dit que c'était un peu l'endroit parfait pour entamer cette nouvelle série de vidéos, mais cette fois-ci sous le signe du printemps. Il y avait plein d'endroits en fait que je voulais visiter, des parcs, des endroits en extérieur, mais l'hiver ne rendait pas hommage à ces endroits-là. C'était un petit peu tristounet, ça pète pas la forme à la caméra. Et là, je vais pouvoir cette fois-ci aller dans ces endroits pour justement avoir de meilleures images. Donc j'ai plein d'endroits à découvrir et que je vais vous faire découvrir par la même occasion. Là je continue, je n'ai aucun programme vraiment pour cet endroit là, je me balade juste là, je profite, je prends des photos. Donc on va continuer et toujours avec ce magnifique temps. Alors là c'est super intéressant, je ne savais même pas. Ici donc on peut lire, si je ne dis pas de bêtises, Sangsugo Teung Hagyo. Et Hagyo en coréen ça signifie école. Et en fait il y a une école qui est quasiment au cœur de Seoul Forest. Et on va y jeter un petit coup d'œil parce que ce qui est bien ici c'est que on peut un petit peu entrer dans les écoles. Contrairement en France, on n'est pas obligé d'être étudiant. Alors après, on n'a pas forcément le droit de rentrer dans l'école même et dans les classes, mais juste dehors, comme ça. Regardez-moi ça, c'est sympa. Il y a souvent un petit terrain. Il y a une liste de mots sur ce tableau. Je vais lire ces mots. On les cache. Retrouvez le plus de mots possible. Crayon. Modeste. Réalité. Silence.
Cocoteng. Bon, moi j'adore à chaque fois parce qu'il y a plein d'endroits comme ça en Corée, on peut trouver un peu des espèces de petites de machines, on va dire, pour faire des un peu de sport. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, en général, bah, ces trucs-là, là, c'est souvent occupé par des papis, par des mamies. Alors en fait, nous, on a un petit peu bifurqué. On était du coup dans la partie principale, la partie 1. Et là, je suis parti la partie 4, ils appellent ça comme ça. Et bah, vous pouvez voir, il y a aussi la partie 3 et la partie 4. Et alors si je dis pas de bêtises, la partie 3 je l'ai déjà un petit peu faite et la partie 4 je suis pas sûr. Du coup on va encore marcher un petit peu. Petite chose à savoir, vous avez peut-être dû voir des espèces de cartes par moment, et en fait on peut tout simplement en louer dans le coin. Donc si vous voulez faire une petite balade du parc de manière un peu originale ou rigolote, bah vous pouvez facilement louer des cartes à deux places. Et bon, je l'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien, c'est assez sympa à faire. Et puis sinon, bah il y a tout simplement les vélos de la ville, ça coûte vraiment pas beaucoup, ça coûte vraiment pas très cher, vous pouvez les louer et ça fait une jolie balade aussi en vélo au sein du parc.
Alors non, je ne vais pas finir la vidéo ici, ça sera trop facile. Je vais du coup rentrer dans le parc pour revenir un petit peu en ville. Très content d'être arrivé jusqu'ici. J'ai fait à peu près les 4 parties du parc. Vraiment, c'était que du plaisir, j'ai bien profité. Et là, je vais essayer de retourner un petit peu plus au cœur de Séoul pour aller boire un petit truc. Et puis après, je pense que je rentrerai tranquillement en métro. Mais écoutez, j'aurais voulu justement passer un petit peu dans le quartier de Toksom, mais je me suis vraiment éternisé à Seoul Forest. Et en plus de ça, j'ai vraiment plus beaucoup de batterie. Là, j'ai 3%, donc ça va pas être assez pour filmer ailleurs. Donc moi, je vais finir sur un petit goûter, on peut dire ça comme ça. Je suis quasiment là où j'ai commencé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, c'était vraiment un plaisir, c'était super beau. J'ai jamais vu autant de tulipes, ou en tout cas, ça faisait très longtemps. Je me souviens pas en avoir vu un tel nombre, et je vais pas trop m'éterniser pour la conclusion parce que bon bah 3%. Voilà, merci de m'avoir suivi, désolé pour ceux qui ne sont pas sensibles aux plantes, aux fleurs. C'est vrai que bon là il y aurait eu que ça, donc en général j'essaye de visiter aussi un petit peu autour de ma destination principale, mais là je me suis trop perdu dans la forêt de Séoul. Je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo je ne sais pas où. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le printemps, eh ben, ça va être un vrai plaisir de redécouvrir Séoul. J'ai hâte de vous emmener dans des endroits que je n'ai tout simplement pas encore visités. Allez, à très bientôt, c'était Poulan de Soya. Annyeong !